Très chers amis, shalom à vous toutes et à vous tous. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle étude biblique. Dans le cadre de notre projet Perles bibliques, je vous invite aujourd'hui à étudier le verset 11 du chapitre 8 du livre des Proverbes. Ouvrons notre livre. Ki tova chokhma mi peninim vechol hafatzim lo ishvuvah. C'est que la sagesse est plus précieuse que les perles, tous les biens réunis ne la valent point. Que nous enseigne ce verset? Ce verset nous enseigne que la Torah, à savoir l'enseignement divin, la sagesse de l'Éternel, dépasse de très très loin tous les biens matériels que nous pourrions acquérir en ce monde. Puis, si nous nous reportons au terme hébreu « hafatzim », traduit généralement par « les biens, les choses », nous pouvons également le traduire par « les ambitions, ambitions personnelles ». La Torah dépasse également toutes nos ambitions personnelles que nous pourrions développer ici et maintenant. Ainsi, toutes les perles réunies, comparées à la grandeur et à la beauté de la Torah, perdent toute leur splendeur. Toda Rabba, merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle perle biblique.